représentant personnel du chef de l'État, Excellences, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Mesdames et Messieurs les Présidents des institutions de la République, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, honorables députés à l'Assemblée nationale, autorités traditionnelles, administratives et politiques, chers parents, frères, sœurs et amis. C'est avec stupeur et désolation que nous avons appris l'accident qui a coûté la vie de nos frères, fils, pères et sœurs. En vérité, nous n'en reprendrons au dépit de notre état d'âme, c'est ce grave. Selon les Écritures, nous ne devrions pas avoir peur de celui qui peut tuer le corps, mais celui qui peut tuer l'esprit. Un auteur africain a dit, les morts ne sont pas morts. Ils sont dans l'eau qui coule, dans l'eau qui dort, dans la foule, dans les douleurs. Pour cette raison, nous affirmons que nos pères, frères et sœurs ne sont pas morts. Ils sont dans leur œuvre. Œuvres qui nous ont laissées et resteront toujours gravées dans nos mémoires. Ils ne sont que partis. Pour la famille, folie. Folie Kofi Adjoud, dit folle. Pour la famille, Alaï. Alaï Biao Pierre, dit frère Gaston. Pour la famille Limazière, Limazière Chodor Madepida, dit frère Gaston. Pour la famille Akapo, Akapo Jacqueline Akoubi. Pour la famille Corico, Corico Ousmane, dit Ousmane Ousmane. Pour la famille Sodji, Sodji Asfoudi Maounalo, dit caporal chef à Basco Major Bria. Nous tenons à remercier très sincèrement et du fond du cœur de toute la République qui, depuis ce drame, n'a pas manqué de nous apporter son soutien sur tous les plans. Nous, nos frères, sœurs, femmes et enfants, nous disons merci. Merci.